Je suis Manou de la Vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Goïde. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace audio que nous avons en vidéo, autant pour moi, pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons parler de cette pierre précieuse qu'on appelle le quartz rose. C'est ça. Ouais. Le rôle de cette direct, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, c'est ça la pierre. Elle est vraiment rose. Très jolie. Bien présentable. Je demande à tous les parents d'enfants. La chambre de vos enfants doit avoir ça. Et vous-même, vous pouvez en avoir. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ah ah! Mais avant d'y arriver, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler. Ah ouais, vraiment, le gars. Ah, le direct d'aujourd'hui là. Voilà. Le premier témoignage qui nous vient. Le premier témoignage qui nous vient de. Voilà. Bon. Dis que c'est bon comme ça. Voilà. Regardez vous-même les images. Voilà, vous voyez. Là, vous voyez, il y a. Comment on appelle ça flèche. Voilà, il y a une flèche. Vous voyez la flèche. Et vous voyez, juste à côté, il y a deux boules. Et après, vous allez voir, juste à côté, il y a un fil qui est noué. Voilà. J'agrandis l'image pour votre bonne foi. Ah, là, vous voyez bien. Vous voyez? C'est une aiguille, là. Vous voyez l'aiguille? À côté, vous voyez deux choses. C'est ce qui est sorti du corps de quelqu'un. Dis donc. Non. J'étais dernièrement en Côte d'Ivoire. Il y a une de nos sœurs qui m'écoute, elle est aux États-Unis et ses parents sont quelque part au Togo. Je crois Togo, quelque chose c'est là. Elle me dit, papa Manou de la vie, ah, quelque chose me dit de te croire, de croire en vous. J'ai dit, Elle dit, j'ai ma maman au pays là-bas, ça ne va pas chez elle. Et quand je quittais, elle m'avait bien dit, parce que j'ai annoncé, quand je faisais mes valises pour partager le direct. Envoyez-moi le cœur, je profite d'abord pour c'est une heure de direct, 18h30, 19h30, le direct est fini. Voilà, je partage le direct. Je partage d'abord le direct. Donc, on partage le direct, voilà. Voilà. Je partage le direct. Alors, partageons le direct, je vous en prie. Elle me dit, papa Manou, s'il te plaît, j'ai besoin. Ça, c'est celle de l'enfant qui aime ses parents là. L'enfant qui aime ses parents là, c'est comme ça. L'enfant comme ça, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, j'ai pris l'huile et l'eau magnétisée lunaire. Je suis parti avec. Elle m'a dit, papa Manou, je t'en prie, je te supplie. Tu dois tout faire pour envoyer le colis, le kit à ma maman. Togo Lomé. Lomé. Togo. J'ai dit, ok. Je suis allé vers Crècheville pour pouvoir expédier le colis. En expédiant le colis, j'ai mis un petit morceau de bois, de charbon. Charbon africain. J'ai mis juste un peu. J'ai fait partie le colis. La maman a reçu le colis.
Elle a commencé par l'huile, par boire, son eau m'a dit. C'était dans un petit truc comme ça là. Il dit, ah, c'est l'eau, on parle là, c'est petit comme ça. Il dit, ah, c'est ça qui est là. Utilise d'abord. Il faut d'abord utiliser pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ne peux pas ne voir pas ça comme c'est petit. C'est petit, mais c'est dangereux. Donc la maman a commencé et tout, les kits. Elle ne se levait même plus. C'est comme ça que Dieu lui a fait grâce. Et aujourd'hui, elle est libérée. Donc, dans ses reins et tout, on avait mis les piquants en fer, avec des boules que vous avez vues là. Et un fil. Elle a filmé, envoyé, que dit merci à ce monsieur-là. Dites-lui merci, qu'avant même que je ne meure, je veux le rencontrer. Je dis, ah, non, il faut dire merci à Dieu. Notre rôle là, c'est de déchirer le voile de l'ignorance, c'est tout. Donc, comme elle, il y en a comme ça qui souffrent à travers le monde. L'œuvre de Dieu est comme ça. Elle est souveraine. Dieu met au-dessus le chemin de quiconque les éléments pour accomplir sa volonté. L'Éthiopien a rencontré, qui même, c'est Philippe qui rencontre l'Éthiopien sur son chemin. Il aurait pu rencontrer un Camerounais, un Zimbabwéen, un Centrafricain, un Égyptien. Donc Dieu met sur ton chemin celui qu'il veut pour faire sa volonté. Ami bien d'ici d'ailleurs, quand elle m'a envoyé cette photo, elle dit, papa, je suis aux États-Unis, je ne t'ai jamais vu venir rencontrer. J'ai dit, c'est le travail de Dieu. C'est pour ça que nous occupons les réseaux sociaux pour parler de ces choses-là. Et un autre témoignage que je reçois, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est la puissance de votre rituel. Alors, mon rôle, c'est de vous dire comment faut marcher. Mon rôle, c'est celui-là. Vous dire comment on doit marcher. C'est un de ses cousins qui a longtemps fatigué, perturbé sa vie. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un audio pour te dire, papa Manou, après avoir fait ce rituel, il est parti. J'ai dit, s'il est parti, Dieu a dit, tu ne seras pas vivre que ceci. Ce n'est plus ton problème. Tu as fait. Tu n'as pas cité le nom de quelqu'un. Si ça l'a pris, ça l'a pris. Il sait pourquoi ça a pris. On dit retour à l'envoyeur. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui nous allons parler de cette pierre. Mais avant de parler de cette pierre, ami bien d'ici d'ailleurs, je vous donnerai quelques conseils. Aujourd'hui, c'est le 7 septembre 2021. Ce jour est un jour particulier. Parce que c'est le début de la nouvelle lune. Nouvelle lune veut dire nouveau départ, comme la femme voit ses menstrues. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons commencer à poser de l'eau dehors pour pouvoir la magnétiser afin qu'elle devienne de l'eau lunaire, puissante, remplie de la puissance, n'est-ce pas, de la lune. Ce n'est pas une affaire d'imposition de main pour dire le pasteur a prié. Je ne suis pas pasteur, hein? Ne m'appelez pas pasteur. Je suis votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Grèce, c'est tout. Voilà mon rôle, déchirer le voile de l'ignorance. Alors, il se trouve que beaucoup de personnes ne savent pas comment fonctionner avec certains bains. Voilà, aujourd'hui, si vous priez une fois, faites la prière aujourd'hui deux fois. Dans cette période-ci, votre prière doit être intensifiée parce que ce n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour qu'on appelle la nouvelle lune. Et pour ceux qui voudront avoir des recettes de nouvelle lune, allez dans mes différents supports vidéo, sur YouTube ou sur Facebook, vous allez voir. Nous, on avance. Ce n'est plus le temps encore. On a déjà tout parlé sur la lune, tout parlé sur les phases lunaires. Notre rôle maintenant, c'est d'avancer. Alors, quand on dit avancer, il faut avancer. Je vous en prie, regardez toujours la position de la lune avant de faire vos rituels, avant de faire vos bains avec succès. Avant même de vous lancer, avant de lancer une nouvelle activité, avant même de vous marier, avant même de chercher un emploi, avant même de draguer une femme, avant même de vous accoupler pour chercher un enfant, avant même de demander un prêt bancaire, avant même de solliciter une augmentation, demandez toujours, regardez, quelle est la position de la Lune? La position de la Lune. Ne vous lancez pas. Bon, comme c'est lundi. Le début de semaine, bon, je vais laisser, je vais attendre mardi. Non, non,
Ça pourrait être que le Mahdi est sévère. Alors, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Amis miens d'ici d'ailleurs. Pour vos bains, pour vos rituels, pour vos prières, pour toutes les recettes qui sont de nature positive. Par exemple, je veux être élu. Je veux l'harmonie dans ma famille. Je veux l'harmonie dans mon couple. Voici la période en lune croissante, c'est-à-dire que la lune croît. Comme aujourd'hui, là, ça commence là. Ça va commencer à croître, c'est-à-dire à monter. C'est comme le portable, la batterie d'un portable, votre portable, c'est à plat. Donc, hier, là, c'était à plat. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est à plat. Aujourd'hui, là, maintenant, ça va commencer à se charger. Donc, comme ça charge, après, demain, ça sera 1%, 2%. C'est ça d'une nouvelle lune. L'ancienne est passée. Et maintenant, quand ça arrive, ça charge, ça charge, ça charge. Maintenant, quand ça devient 100%, là, c'est ce soir-là qu'on appelle la pleine lune. C'est-à-dire que la batterie est pleine. La lune est pleine. C'est ça que vous voyez souvent, la lune, là. Ça éclaire comme ça, parce qu'elle est pleine. Faut qu'on explique en prenant les âmes sur votre portable. Donc, quand c'est à 100%, ça veut dire qu'il y a la pleine lune. Donc, quand ça monte là, c'est ça, on dit la lune est quoi? Ça monte 1%, 2%, ça fait que monter, monter, monter. Maintenant, après, quand ça s'est chargé, maintenant, ça va commencer à descendre. Hein? De 100%, ça commence 19%. C'est ça, on dit la lune en train de descendre. Ça descend jusqu'à ça se vide pour qu'on ait encore une autre nouvelle lune du mois d'octobre. Voilà comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, dès maintenant, la lune croît. Il y a certains rituels que vous ne devrez pas faire. Les rituels dont la nature est négative. Par exemple, je veux me désenvoûter. Par exemple, je veux le retour à l'envoyeur. Par exemple, je veux me purifier. Par exemple, non, ce n'est pas le moment. Mais se désenvoûter, par autant pour moi. Je veux faire le retour. Tous les bains, n'est-ce pas, dont la nature est négative. C'est-à-dire qu'il y a de la négativité dedans. Ce n'est pas le moment. Il faut attendre, donc, quand la lune sera pleine. Maintenant, quand il décolle, là, c'est en ce moment. Donc, gardez vos bouteilles d'huile essentielle, de rose, de lavande, pour l'utiliser juste vers la période du 30 septembre. Parce qu'en ce moment, la lune décroît, ça descend. Donc, en ce moment, elle est sévère. Ce que tu fais pour le retour, ça marche à 100%. Peut-être au deuxième jour même, tu as déjà ton résultat. Donc, maintenant, c'est l'amour. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Hein, je veux l'amour de tel, je veux prier pour qu'il y ait plus de paix dans le monde. C'est maintenant que ça commence. Jusqu'au 23, vous pouvez le faire. Donc, tous les rituels, comment charmer un homme, comment charmer une femme, voilà. Donc, cette période, jusqu'au 15, parce que ça, c'est le premier jour, voilà, jusqu'au 15e jour. Hein, vous, jusqu'au 15e jour, parce que quand on dit 15e jour, ça veut dire qu'à partir de maintenant, donc nous sommes le 7. Hein? Quand tu mets 15e, c'est-à-dire tu mets plus 15 jours, ça fait 22. Vous verrez que le 23 va tomber, que ça sera la pleine lune. Donc maintenant, jusqu'au 15 jours. Donc on met généralement 14 jours. Voilà pourquoi la pleine lune aura lieu le 23. Parce qu'on fait 7 plus 14, ça fait 27. Excusez, nous sommes le 7. Voilà, jusqu'au 21, excusez-moi. C'est le 21 septembre. Voilà, si je m'abuse. Le 21 septembre, je crois, c'est la pleine lune. C'est ce jour-là que vous pouvez faire des rituels, des 21 citrons. Il faut maintenant faire avec les ananas. Vous pouvez faire également le même soir-là pour attirer plus de chance sur vous. Donc, Amin bien disait d'ailleurs, c'était important de le dire. Donc, à partir donc du 23, comme du 21, comme je le disais, et jusqu'au 15e ou 22e jour, une semaine après, vous pouvez faire donc des rituels qui sont négatifs. Donc, c'est très important. Gardez vos huiles essentielles, hein, de la rose, de la lavande, pour juste après la pleine lune. Donc, Amine vient d'ici d'ailleurs. Maintenant, il y a une de nos soeurs qui a été victime d'un vol. Elle a perdu son porte-monnaie. Généralement, quand vous avez vos pièces là, Kadianté, en plus, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté, elle est en France. Donc, on l'a soutiré son porte-monnaie. Il y a une recette. Et malheureusement, ça doit être au lieu du travail. Donc, il y a une recette qui peut vous permettre. Il y en a plusieurs. Il y a même la plante qu'on appelle l'héliotrope. Vous pouvez, n'est-ce pas, retrouver. Elle va faire le film. Elle va voir le. Elle aura le film de son vol. Et elle pourra dire que c'est toi qui m'as volé. Avec certitude. C'est comme une caméra. Mais il faut le faire
avant le troisième jour après le vol. C'est-à-dire, comme on a volé aujourd'hui, elle peut faire ça cette nuit, elle peut encore faire demain, après-demain, et le troisième jour, c'est le dernier jour. Donc, 3 jours après le vol, le jour du vol, tu ne peux plus. Alors, à partir du quatrième jour, les archives de la divine nature ne peuvent plus. C'est comme tout ça vient, tout ce que vous voyez là, tout a été déjà créé. Les caméras, c'est sur nous. C'est sur nous. Vous voyez, aujourd'hui, les caméras sont là. Maintenant, quand tu passes, on regarde. Après un moment, ça s'efface. Si on veut conserver, on conserve. C'est comme ça. Dans la divine nature, c'est pareil. Donc, je voudrais, Blandine, que Dieu te soutienne. Vraiment, je ne sais pas pourquoi très tôt ce matin. Je ne sais pas. Dans ma prière, j'étais vu en songe et j'étais appelé aux environs de 4 heures du matin. Malheureusement, à l'heure là, tu es une femme mariée, même si tu n'étais pas mariée. À l'heure là, on ne communique pas. Mais je ressentais vraiment ce besoin de te parler. Et on s'est parlé, et quelques heures après, tu m'as dit que tu as été victime d'un coup de vol. Donc la plante là peut nous aider. En dehors de cette plante, il y a également la fougère. Je pense que tu peux facilement trouver la fougère dans ton jardin ou quelque part, parce que ça pousse sur les palmiers à huile. Voilà, la c'est une plante parasite. Ça peut pousser sur d'autres plantes parce qu'elle profite d'elle. Donc, tu peux couper juste une tige, n'est-ce pas, de la fougère. En coupant la fougère, il faut lui parler. Hein, fougère, je veux te couper parce que j'ai été victime d'un vol. On m'a volé. Et comme on m'a volé, je veux voir qui m'a volé. Donc, tu coupes. Et si tu veux, tu casses le cerf, ce n'est pas important. Tu coupes maintenant. Et cette nuit, tu mets ça sous ton oreiller. Hein, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, fais-le demain. Tu vas voir minute par minute comment il a commencé tout. Le film. Tu vas voir sa tenue. Et celui, tu mets, tu ne portes plus plainte contre. Il dit que c'est lui. Dis que c'est lui. Voilà, dis que c'est lui. Parce que Dieu va te montrer ça. Le film de ça, tu vas voir ça proprement. Donc, c'est ça, il faut faire aujourd'hui ou demain ou après-demain. Tu es toujours dans le temps. Dans le temps. Maintenant, il y en a qui souffrent. Vous voyez, vous pouvez rencontrer un homme ou une femme. L'amour, au lieu d'être que le ciel devient un véritable enfer. C'est-à-dire, cet homme-là va t'occasionner tous les problèmes du monde. L'amour, tu viens d'amour par envoûtement. C'est-à-dire que tu n'es plus libre de toi-même. Ce que tu fais, ce n'est pas toi qui veux. Parce qu'il y a des choses qui influencent ton énergie. Ce que tu fais là, ce n'est pas toi qui veux. Tu gagnes le salaire, tu vas donner à la femme, tu la regardes. Bébé, voilà, salaire là, c'est 240 000 euros. Tu fais comme tu veux et tu donnes ma part. La femme prend l'argent de sa perruque, elle met à côté, l'argent de make-up, elle met à côté, l'argent de la nourriture, sac de riz, elle met à côté, elle dit, bon, tiens, tu mérites 40 000. Prends 10 000, elle va donner à ta maman. Il y a des hommes qui vivent ça dans ce monde-ci. Quand tu parles de sa femme, non, il peut te tuer. Il te tue, ça après, il va dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on l'a mis dans une bouteille. Il y a des femmes aussi qu'on a mises dans une bouteille. Dont l'amour par envoûtement. Mais il y a des moments, ça finit. Et maintenant, quand ça finit, tu ne peux pas oublier cet ancien amour. Parce qu'il y a un problème d'envoûtement. Même marié, là, tu penses toujours au gars. Et si je ne m'appelle pas, je ne dors pas. Mais c'est comment? Non, non, c'est facile. C'est pas compliqué. Tu prends une feuille de laurier, ou soit même les feuilles de laurier, parce qu'avec vous là, une feuille de laurier là. Tu prends une feuille de laurier, voilà, va les feuilles, bien. Voilà les laurier là. Tu prends une feuille de laurier, tu écris son nom dessus. Il s'appelle, ou bien elle s'appelle Marie Chantal Dangereuse. Tu écris Marie Chantal Dangereuse. Voilà. Et tu cherches un demi-litre d'eau. Tu prends une bouteille dans un demi-litre d'eau, pas en plastique. Généralement, tes bouteilles en verre. Parce que le verre, je vous ai toujours dit, le verre, c'est la terre. Donc, tu mets ça dedans et tu parles, tu formules tes voeux. Tu formules tes voeux. Toi, Marie Chantal Dangereuse, mon salaire ne reste pas dans ma pomme, dans ma main pour longtemps. Tout ce que tu as fait pour moi, là, je ne veux plus. L'amour est fini comme ça. Je ne veux plus te voir dans mes pensées. Toi, là, c'est fini comme ça. Tu as compris?
Tu prends, tu mets dedans. Et... Donc, c'est le désir. Tu formes des vœux d'oubli. Tu dis, je ne veux plus te sentir dans ma vie. Tu prends donc cette bouteille, tu vas l'enterrer quelque part. Et comme tu enterres, en rentrant, ne regarde pas le derrière, sinon on va te gifler. Et ces feuilles de laurier aussi, ça peut vous aider dans les amulettes, hein, de protection. Tu prends trois feuilles comme ça, quoi, hein, qui ne sont pas perforées ni déchirées. Tu écris ton nom sur ça, Manu de la vie. Ton nom à l'état civil. Hein, tu écris trois feuilles, tu mets ça dans ton porte-monnaie. Tout ce qu'on va faire avec ton nom là, ça ne passera pas. Mais il faut faire ça maintenant. Hein. Faut pas, si on t'a déjà marabouté, ça fait 2 ans là, ça joue pas rôle. Ouais, parce que ton nom était déjà capté. Hein, l'énergie qui de ton nom là, c'est déjà, on a déjà attrapé ça. Un autre témoignage. Donc, quand vous avez vos pièces, aujourd'hui, nous avons des appareils, les gens ne se filment pas. Faites un effort de filmer. Hein, toutes vos pièces, carte d'identité, carte de séjour, vos cartes bancaires, tout ça, vous filmez, vous gardez ça quelque part. Vous sauvegardez ça quelque part, ça va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, là, avec tout ce qu'elle a perdu, carte d'identité, tout, elle peut reproduire facilement. Vous voyez, donc, c'est gênant, quoi, c'est pas bien. Il faut toujours faire les photocopies de ces choses en couleur, tu gardes quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on perd facilement des choses. Très facilement. C'est le témoignage d'une sœur. Hé, maman, hé. Ce n'est pas parce que vous êtes venu d'un même ventre que ta propre sœur ne peut pas te vouloir du mal. Elle a vécu au Canada. Je l'ai rencontrée personnellement à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Elle dit, papa, quand tu arrives là, normalement, je vais qu'elle en descende, mais je vais anticiper. Le Dieu que je sais me dit de te rencontrer. Je ne sais pas, tu es qui, mais Dieu dit, je vais te rencontrer. J'étais à Abidjan, elle dit, elle est arrivée, je dis, on fait comment? Je dis, non, je m'en vais à Yamoussoukro. Je suis arrivé là-bas, elle dit, papa, je suis là. Même soir, quand je suis arrivé, 2 heures après, elle me dit qu'elle est arrivée. Là où je résidais, elle est venue. On s'est assis, on a causé. Je lui ai remis ce que je devais remettre. Elle porte sur elle les cicatrices de la haine. Parce que le jour où elle est née, sa soeur, propre soeur, voyant l'étoile de sa soeur cadette, a commencé à la jalouser. Le même moment, même chose comme on a fait avec Joseph. Sa propre mère, avant de mourir, l'avait appelée pour dire, fais attention à ta soeur. Elle n'est pas bien. Elle est négative. Elle s'est ancrée, si c'est sorti. C'est quand elle a vu ce qu'elle a vu là, qu'elle a dit, ah. Mais se fait tard. Mais ne se fait jamais tard. Parce que tchoukou, si Dieu a prévu, il a déjà écrit que tu seras quelqu'un, même si on veut, on te tue. La mort là, c'est pas pour aujourd'hui. Tant que tu n'es pas quelqu'un, tu ne mourras point. L'autre jour, j'ai dit, bon, tu as utilisé tel chose, maintenant il faut attaquer dans les recettes de l'auto à la mort. Elle dit, papa. Et la soeur a fait qu'il n'y a que elle qui doit être mariée, qui doit être véhiculée, qui doit donc, elle prend la charge de toutes ses soeurs pour faire malin avec. Dans la famille, si ce n'est pas elle qui parle, personne d'autre. La fille est bien, un très bon niveau, elle travaille dans un organisme international. Salaire, c'est en dollars. Homme, là, il n'y a pas dans sa vie. Les petites recettes qu'elle a commencé à faire, maintenant elle marche, on l'appelle. Avant, c'était le voile. Il y a un truc qu'on appelle le cafard. C'est on met ça sur toi. Tu deviens vieux. Toi qui fais 18 ans, tu deviens vieux. Mais aujourd'hui, les hommes, maintenant jusqu'à ce qu'elle est tombée sur un gars où hein, ça se change, ça se parle, tout et tout, elle fait un rêve où le gars est venu la doter. Maintenant, au moment de. Elle monte. Pour aller chercher sa robe de nuit et sa robe de mariage, c'est là maintenant sa grande soeur est venue gâter la cérémonie de mariage. Elle m'explique le rêve. J'ai dit, mais est-ce que tu as encore besoin qu'on t'interprète ton rêve? Voilà ton sorcier qui est là. Voilà ta sorcière que tu cherches. Elle dit, papa, je fais comment? Mais tu me demandes encore, tu fais comment? Comment? Tu as là tout ce qu'il faut. Fais ton bain de retour à l'envoyeur, c'est tout. Depuis qu'elle a commencé au deuxième jour,
Matin, midi, soir, sa soeur ne fait que l'appeler. Même à minuit, 1 heure. Et depuis qu'elle est là, sa soeur ne savait pas qu'elle est là, qu'elle est en Côte d'Ivoire. Fait qu'à appeler, elle ne décroche pas. J'ai dit, ne décroche pas. Elle sent déjà sa faim. Donc, dans les jours qui arrivent là, c'est mains. Moi, ce n'est pas ton problème. Dieu dit, c'est à moi la justice. C'est à moi le jugement. C'est à moi la condamnation. Donc, tu as dit à Dieu, retourne l'envoyeur. Ce qu'on m'a mis là, ça va te retourner, c'est tout. Si tu ne te reconnais pas, ça ne viendra pas à toi. C'est ça, la divine nature. C'est de ça que nous parlons. On est fatigué. On est fatigué. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, c'était vraiment très important de parler de cette chose-là. Donc, nous avons parlé de ceux qui souffrent dans le mot, là, il y a envoûtement, ça ne va pas. Il y en a aussi qui ont problème d'argent. Voici la rancune. Les gens veulent inscrire leur argent. Ça n'allait pas. Ça marchait chez moi. Tu es venu dire, ah, papa Manou, prends-moi 5 000 là parce que ceci. J'étais prêté. La nature a risqué. Hein? Ne voyez pas souvent, on demande sur les preuves. Non. Dieu a les preuves. Dieu a les preuves. Dieu a les. C'est pourquoi on dit le jugement lui appartient. J'aime bien la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, s'il n'est pas bien, la personne te dit simplement, je laisse pour moi Dieu. Parce qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu de justice. Donc, rembourse-moi mon argent, tu ne peux plus. Donc, ceux qui sont dans cette situation, je vous en prie. J'aurais voulu donner ça en inbox, mais je donne ça pour que le monde entier écoute. Maintenant, si on t'a donné d'aide, on t'a remboursé ton argent, pardon, fais une fois de m'appeler, tu dis, papa Manou, voici ton vin rouge. Il faut chercher la plante qu'on appelle l'hysope. La plante qu'on appelle l'hysope, là. C'est l'une des plantes qui est citée, je crois, dans le psaume 91, dans la Sainte Bible de Jérusalem, où le roi David parle les 150 psaumes. Hein? Lisez de temps en temps hein, les livres saints. Lisez-les. Faut pas que quelqu'un vous mente. Lisez-les de temps en temps. Ça va vous aider. Donc, comme je disais tantôt, vous allez au marché, vous demandez aux femmes hein, qu'on vous donne les racines de la plante qu'on appelle l'hysope. C'est une plante, quand vous construisez votre maison, il faut que cette plante-là soit dans votre jardin. Même à l'entrée, hein, les pots de fleurs que vous on met souvent à l'entrée des portes, tout, vous mettez ça dedans. C'est une plante qui est, elle est trop puissante. Donc, tu fais bouillir les racines de la plante qu'on appelle l'hysope. Tu fais bouillir ça, les racines de ça. En infusion, c'est-à-dire tu mets d'abord de l'eau au feu, ça va bouillir, tu mets les racines, 15 minutes après tu arrêtes. L'eau là devient ce qu'on appelle la décoction. Tu prends un bon matin, tu ne mets pas la personne. L'eau là, tu prends ça, tu te laves le visage avec. Et qu'est-ce que tu fais? Appelle les gens qui te doivent. S'il n'y a pas remboursement, le prochain direct c'est jeudi. Si ce n'est pas jeudi, c'est vendredi. Appelle-moi menteur. Dis-moi, papa Manu, tu es un menteur. Sauf s'il n'a pas. Même s'il ne te décrochait pas, ce jour, il va te décrocher. Bon, aujourd'hui, amis miens d'ici, nous allons parler, c'était ces petites recettes-là, pour vous faire rembourser votre argent. Les temps sont durs. Quand vous prenez aussi, sachez, n'est-ce pas, rembourser. Voilà, on vous donne avec un bon cœur. Donc, ne jouez pas les petits malins. Donc, nous allons parler de cette plante qu'on appelle le quartz rose. C'est une plante, un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, l'amour de soi. Dans la chambre des enfants, cette pierre ne doit pas manquer. La pierre, le quartz rose. J'ai mis ça au même. C'était là tout à l'heure. Voilà, c'est ça là. Il y en a tellement. Hein? Ouais, c'est ça là. Maintenant, l'heure là, c'est l'heure du verso. On va déchirer le voile. Ne vivez plus, même si tu as une pierre dans la chambre de tes enfants, mets ça dedans, mon frère, ma soeur. Mets ça. Toi-même, tu peux utiliser. Hein, tu mets ça sous ton oreiller ou tu mets ça à côté de ton oreiller. Tu vas voir comment tu vas dormir. Oh. C'est-à-dire ça là. Non seulement on dit rose, quand on parle de rose, tout son problème, c'est l'amour. Cette plante-là. Et son rôle, c'est de diffuser les vibrations d'amour, de bonheur, de chaleur, de paix. Voilà son rôle. C'est une plante qui vous, c'est une pierre qui vous donne la joie de vivre. Il y en a qui sont tristes, même quand ils ont l'argent. Tu le vois triste. Donc, c'est comment? Je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien comment? Là, moi, j'ai un pari qui me menace depuis 2 mois là.
Il ne se sent pas bien. Et lui-même ne s'aime pas. Mais pour se laver, c'est le problème. Donc, amis miens, je sais d'ailleurs, je vous en prie, cette pierre-là, vous ne devrez pas la manquer. C'est une pierre qui a des vertus exceptionnelles. Voilà. Des vertus exceptionnelles. Dieu a tout créé. Tout a été créé. Donc, si tu n'as pas cette pierre, ne dis pas que Papa Manu ne m'avait pas dit. Parce que c'est une pierre qui agit sur le chakra du cœur ici. Donc, c'est une pierre, son rôle, c'est l'amour. Et je vous ai donné l'autre jour, avec la tourmaline noire, comment on peut faire pour mettre hors d'état de nuire une personne, même une rivale, même un rival, quelqu'un qui te fatigue, même au travail. Tu prends ça parce que je t'ai dit, son rôle, c'est de mettre l'amour. Donc, comme on vous envoie la haine, son problème maintenant, là, c'est de mettre l'amour. Il va mettre l'amour. La personne, là, au lieu que tu lui donnes. Parce que la haine contre la haine provoque la double haine. Si tu m'envoies la haine, c'est pourquoi Jésus, dans rempli d'extase, il aimait pour dire, aimez ceux qui vous détestent, aimez ces... Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Hein? Ah, si lui-même vient maintenant dire ça, on va le taper. Aimez vos ennemis, mais parce que le pardon, l'amour absorbe tout. Donc cette pierre, si quelqu'un pense, c'est-à-dire veut te noyer, tu lui donnes l'amour. L'amour absorbe tout. Vous voyez, donc cette recette fera en sorte que la personne n'aura plus le courage de penser négativement, de penser mal, de comploter contre toi parce que l'amour, la pierre là va dégager l'amour. Ne demande pas que c'est comment. Ça agit sur le chakra du cœur. Qui est le quatrième chakra, le chakra du cœur. Donc, ne demande pas que ça agit, ça va faire comment? Non, 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 non. Tu peux prendre, tu utilises ça comme pendatif, tu mets ça dans ta maison, tu peux mettre ça sur un meuble, tu peux mettre ça quelque part. En tout cas, chez vous, il ne faut pas que cette pierre-là manque. Surtout dans la chambre des enfants, même dans votre propre chambre. Ce sont les choses que Dieu a créées. C'est la différence entre nous et les pauvres. Parce que les pauvres, dans leur ville, dans l'ombre de leur ville, il y a ces gens-là. Pour leur dire, patron, ça là, tu ne dois plus porter. Quand ils portent une, je sais pas, une chaîne, un bijou, la bijou est travaillée. La bijou est en quelque sorte ce qu'on appelle ésotérique. Vous portez n'importe quoi. Les bagues fantaisies, là, vous les ramassez, vous portez n'importe comment. Lors, vous mettez n'importe quoi. Sur vos coups, là, vous enfilez n'importe quoi. Tu marches. Pourquoi tu dis, il fait malin, hein? Et là, non, non. Tout ce qui est sur nous est symbolique. Ça dit quelque chose. Voilà. Comme ce que vous voyez là. Ça fait 22 pierres de tigre. Ça fait 44. Si on dit seulement une pierre à 10 000, ça fait 440 000 francs que je porte sur moi. Comment? Et ça joue son rôle. Après là, dedans encore, il y a autre chose. Maintenant encore, dedans, il y a autre chose. Mais qui va se négliger? Ça, là, on monte pour dire que c'est ça. Merci, mon frère Narcisse. La tourmaline aussi, ça est là, ça joue son rôle. Quoi aussi, ça est là, ça joue. Donc, quand tu sors, on dit voilà, garçon qui marche. C'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas arriver quelque part où on n'aime pas l'homme là. Non, tu vas m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, c'est la haine, c'est l'aigreur. Vous savez, le négatif. Quelqu'un qui vit dans le négatif, pour exister, il faut qu'il montre le négatif. Vous allez vous les reconnaître même dans les. Sur les réseaux sociaux. On fait un direct, on ne parle même pas de ton pays, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de l'un de tes ancêtres, on ne parle pas de ta famille. Lui, c'est même, mais quel que soit le sujet, il met seulement tête de mort, tête de mort. Parce que pour qu'il existe, il faut qu'il produise le négatif. Donc, quand c'est comme ça, n'entre pas dans son jeu. Parce que toi, tu produis le positif. Tu dois lui donner l'amour. Maintenant, il a honte. Parce qu'il veut. Oh, toi, là, pourquoi tu envoies tête de mort? Maintenant, vous avez commencé, il va t'insulter, imbécile. Tu crois que tu me paies les unités, quoi? C'est toi qui me paies les unités, quoi? C'est son rôle. Même dans le travail, même dans le copinage. Hein? J'ai fait le scanner d'une soeur. Il se trouve que tous ses problèmes viennent de sa copine. Parce que vous avez vos copines là. Ma convient, tu as passé un week-end chez moi. Non! Ce n'est pas n'importe qui dort dans ta chambre. C'est un sanctuaire. Oh. Chambre de ta chambre. C'est pas n'importe qui. C'est la pauvreté qui fait qu'on partage nos chambres avec nos femmes. Si nos femmes doivent avoir sa chambre, toi tu as ta chambre. Chacun sa chambre.
Reste dans ta chambre, fais ce que tu as fait. Le jour où il y a match, je te convoque. Je t'envoie bien. Je t'envoie une lettre de. Je t'envoie une convocation pour que tu viennes remplir tes devoirs, tes rôles de femme. Mais tu as une copine, ah, ma copine vient. En partant, elle vole un de tes caleçons. Elle vole. Même si elle le peigne, elle vole, là, c'est fini. Mais comme tu as, vous avez plusieurs scripts, vos caleçons qui sont. Nos parents, là, quand ils mettaient leurs caleçons, pas tellement c'était un goût, là. Ils savent que. Mais chez vous, là, maintenant, même quand on prend un caleçon, vous ne savez pas. Vous avez au moins 1000. Il y a des filles qui ont au moins 500 scripts. 500. Même si tu prends un, c'est pas. Alors que nos parents, là, leurs caleçons étaient beaux comme ça. Kouta, kouta, gros. Si tu prends un, c'est vrai. Oui. Donc, elle prend maintenant, puisque ça contient ton corps, elle va fabriquer, fatiguer. Ta relation ne bouge pas. On te gratte, pour finir, amour, là, c'est toujours à côté. Ce mois de septembre, je vous assure, c'est le septième mois de l'an, de la vraie année cosmique, là. Nous sommes au septième mois. Je vous assure, le septième mois, là, ton sorcier va mourir. Moi, je n'aime pas, je ne veux pas savoir. On nous dit non, tu laisseras pas vivre l'autre. Dis-nous comment alors on va le tuer. Ce n'est pas la prière. Dis-nous. Si c'est prière, là, depuis là, on a prié même jeûné. Ils sont là, ils vivent. Nous, on ne prie plus. On passe à l'action maintenant. Ton sorcier va mourir. Dès le 23, on dirait ça sera comment tuer le sorcier. Tue ton sorcier. Il y a quoi? Quand tu as commencé, le jour où tu veux être. Moi, je n'étais pas là. Maintenant, parce que j'ai porté cette petite chemise là, parce que je suis en Europe. Vous croyez que quand Berlin, c'est que Rasmus a mal d'argent ou bien? Hein? Il y en a même, le scanner montre que tu es rentré, ta tante de village là, tu lui avais promis portable. Non, ma tante, elle ne t'a fait pas, je vais t'envoyer un joli portable. Pour elle, la joli portable, quand tu montes là, tu vas envoyer, c'est pas que tu cherches l'argent pour envoyer, pour acheter, lui envoyer. Un mois, deux mois, quand on ne voit pas, gros cœur, maintenant il faut t'attacher. Mais depuis, elle m'a promis portable, ça ne vient pas, elle veut dire quoi? Parents de saint pas comme je suis pas sa mère. Hein. Attachement. Ils vont mourir. Septième mois-ci, une semaine. Dès le 20. Non, j'ai dit, c'est la cascade. J'ai dit. Je suis au 22e sorcier qui est mort. C'est pas moi qui tue, hein, c'est Dieu. Notre rôle, c'est de donner la recette. Tu as fait, tu vas voir. Maintenant, pas chanter, c'est l'âme, vous avez les calaches, c'est en train de charger. Quand je vais dire, ouvrez! Vous allez seulement tout, 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 tout. Ça tombe seulement en avant. Il y a quoi? On est fatigué. Hein? Tu veux t'asseoir sur la vie de quelqu'un. Pourquoi? La soeur m'a dit, il est mort. Papa Manu, il est mort. On m'a appelé aujourd'hui pour dire, mon cousin là me fatigué, il est mort. Elle-même, elle a dit Alléluia, Amen. Remords, elle n'a pas. Et quand il revoit tout ce qu'elle a. Le monsieur là l'a fatigué, abusé, fait tout. Et quand l'homme mort là, c'est pas qu'il était malade, non. Retour à l'envoyeur. Le mot existe. C'est pas toi qui as créé ça. Mon rôle, c'est de déchirer ton voile de l'ignorance. C'est fini ça. L'ignorance, c'est fini dans ta vie. Je vais te montrer comment tu peux utiliser ta salive pour faire le retour à l'envoyeur. Tu n'as pas besoin d'aller faire n'importe quoi. Non. Il y a quoi? Bon, sur ce, je vais vous laisser amener bien d'ici. D'ailleurs, je m'en vais préparer mon eau lunaire. Pour que je montre le bocal. C'est aujourd'hui que ça commence. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Ouais, ma bouteille. Tellement les recettes est devenue poussiéreuse. Bah, depuis un mois, deux mois, je n'ai pas utilisé. J'en ai comme ça deux. Il faut que je vous montre. Parce que moi, c'est mon père, vous n'avez pas que je fasse tout pareil. Voilà, les deux là. Ah, il y en avait quoi? Une s'est cassée. Voilà. Ça, c'est une vieille. Oh, mais ça peut travailler même. Comme je n'étais pas là, là, donc, je n'ai plus trop de confiance. Voilà, c'est ça là. Je vais acheter l'eau minérale. Je fais la pause aujourd'hui. Voilà, après 3 ou 4 heures, j'enlève, je ferme. Je m'en vais, je garde ça dans un coin trop. Oh, en journée, le soleil ne touche pas. Je vais poser comme ça chaque soir. Je pose, j'enlève. Sans sauter. On ne voyage pas avec. Lui, là, on ne le déplace pas. Parce que oui, si tu peux le déplacer, c'est la nuit. Parce que là où tu dois arriver, il ne faut pas que le soleil touche ça. Et tu ne peux pas couvrir le soleil. Ta main ne peut pas couvrir le soleil.
Voilà. Maintenant, dans les jours qui viendront, nous allons parler de ça. C'est le jujube. Chez les Bamiléki, on utilise ça trop. Et c'est à trop de puissance. On va parler de ça. On a beaucoup à se dire. Beaucoup. Donc, ami mien, d'ici d'ailleurs, que rien ne trouble votre paix intérieure. Voici ça. J'ai au moins comme ça une vingtaine. Le quartz rose. C'est ça. Voilà. Quand je veux dormir, je mets à côté. Je dors comme un. Oh, je dors bien. Même sans manger, je dors. Je suis bien. Quand je me lève, je suis en forme. Quand on me voit, mais papa, là, il vieillit pas. Il vieillit pas. Il m'éveille comment? Je mange les bonnes choses. Ça, c'est les bonnes choses. C'est ce que Dieu a créé, la divine nature, c'est ça. Tu vas voir dans les palais, là, les grands, les bobos, là, ils utilisent ça. Quand vous voyez vos chefs d'État, est-ce que vous voyez le mec avec des faux bijoux comme vous, là? Quand tu as payé, tu as mes bijoux, tu mets comme ça. Pourquoi vous voyez? Pas coutil, ça te crée des problèmes pour rien. Qui va te parler? Personne, tu ne connais pas. Mais tes oreilles, tu as mis, tu viens, tu mets, tu pèses ici. Tu dois quand même pas comme ça. Là, il y a un clou sur ça. C'est quoi ça, là? Toujours pour plaire à l'homme, mais ça me plaît. Mais si tu es devenu bouc ou fait, je ne sais pas. Tout ça, là. Déjà, quand un homme te voit avec les clous, là, il a déjà une idée que ça, là, c'est une femme sexuelle. Mais il ne peut pas avoir une femme sexuelle chez moi. Ta maman n'avait pas besoin de toutes ces choses-là. Quand elle faisait, mettait le cuivre. Je vais même vous parler du cuivre un jour. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, j'ai perdu mon portable. En gros, le portable, j'avais dedans près de 2800 contacts. J'ai perdu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je savais que le portable allait se perdre. Ce que tu donnes à la nature, c'est ce que la nature te renvoie. Wallah. Le portable était déjà fissuré. C'est-à-dire cassé partout, mais je parvenais toujours à dire allô, 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 allô. Donc, chaque fois, je dis, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Mais le temps pour aller couvrir, pour qu'on mette, configurer tout ça là. J'ai dit, hé, il n'y a pas. Donc j'étais tranquillement assis dans un taxi. Et je ne mets jamais le portable dans ma poche. J'ai toujours un sac, ce sac là. C'est là où je mets tous mes portables. Mais malheureusement, ce jour, c'était le jeudi passé. Et en sortant, donc, le portable a glissé, il est parti. Et j'ai compris, comme j'ai donné à la divine nature, j'ai donné tout le temps à l'univers qu'il faut que je le change. Et comme je ne veux pas, la nature m'oblige à le changer. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui. Voilà, c'est de la vie comme ça. Ça me fait mal parce que je perds. Il y a des gens qui attendaient leur scanner, je n'ai plus de suivi. Je ne peux plus savoir que, bon, avec Matt, j'ai causé avec Matt ici, avec Karine, je parlais avec Karine, Karine attend ceci. Donc, je suis obligé alors maintenant de relancer. Pardon, renvoyez-moi vos trucs. Renvoyez-moi les. Mais ça tarde. Il y en a depuis 4 jours. Ils n'ont pas de mes nouvelles. Ils ne s'étonnent pas. Alors que chaque fois, j'envoie les recettes. Hein, dedans, je vois, j'envoie les recettes. Surtout, j'ai des groupes de diffusion. Donc, c'est comme ça que je suis coincé. Et du coup, et tout ça, quand ça vient, il y a un cumul de cas à traiter. Alors que si j'avais ça longtemps, chaque jour, je fais 2 ou 3 scanners. Maintenant, je suis coincé. Il y a au moins une vingtaine. Tu vas commencer comment? Ceci, prenez votre mal en passant, je vous en prie. Je vous en prie. Il faut préparer les directs. Faut que je me prépare moi-même. Je dois être en santé. Si je tombe malade, je ne peux pas faire le direct, je ne peux pas travailler. Dieu merci, Dieu nous a préservés de ces petites choses de maladie-là. Parce que aussi, nous avons découvert la vérité, que pour être en santé, il faut nourrir des pensées positives. Il faut manger selon son groupe sanguin, c'est tout. C'est tout. Demain appartient à Dieu, comme dit Dieu pourvoira. Demain, là, ça appartient à Dieu. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Nous aurons direct. Si je fais direct jeudi, je vais faire vendredi. Donc, tant mieux faire vendredi. Mais on sera là. Si ça me prend, on peut faire le direct jeudi. Vendredi, parce que j'ai la communauté suisse, mes amis de la Suisse. Vous savez, eux là, ils m'ont envoyé mon 2 200 000 francs. Quand je prends la main, là, j'ai un couteau à main. Voilà, quand je mange, je tiens mon couteau à main comme ça. On dit, mais monsieur, il y a quoi? C'est à cause. C'est pour blaguer, hein? Voilà, donc il faut les honorer. Ce n'est que le vendredi soir qu'ils sont libres. Autour de M. Aristide, un de mes frères, il arrive au mois de novembre. Je serai avec lui, on va manger du bon poisson. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Nous sommes en train de travailler pour faire des appartements meublés.
Donc, prochainement, d'ici le mois de janvier, papa Manu veut venir au Cameroun. Non, ton logement, je m'occupe. Ton logement, 100%, je m'occupe. Avec ça, hein, ça fait aussi de l'argent, ça va un peu booster l'économie du pays. Pas quand quelqu'un vient là, s'il a dépensé 100 francs, ça fait plus 100 francs. Voilà, donc les gens viendront et on va faire un sanctuaire pour les gens qui viennent pour la retraite spirituelle, pour 10 jours, 14 jours. On parvient à vous donner des bains, des petites recettes. Voilà, à ce niveau, tu es bien suivi spirituellement. Que Dieu nous aide dans cet élan. Peut-être que si Dieu le veut, au mois d'octobre, nous allons visiter un orphelinat. On finit d'abord la rentrée de nos enfants. Voilà, parce que c'est pas facile avec le Covid, c'est pas évident. Après ça, on va faire là, on va jeter, on va avoir un peu avec nos enfants abandonnés là. Si on a un cahier, le reste des cahiers, on va aussi les donner pour dire que on ne vous oubliera pas. Que Dieu vous bénisse, amis bien d'ici d'ailleurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle serviteur. Mon WhatsApp, c'est le 00237, 237, lui, c'est l'indicatif du Cameroun, 671 34 09 97. Donc, la nouvelle lune a commencé. Mettez-vous dans les prières. Priez pour la prospérité, le bonheur, la paix dans le monde, pour l'amour. Intensifiez vos prières. Allumez les bougies parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour accueillir vos prières. C'était Papa Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, des temps modernes. Donc, rendez-vous, amis miens d'ici d'ailleurs. Rendez-vous dans la semaine, notamment jeudi ou vendredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Merci. Une heure de direct, c'est pas évident. Vraiment merci. Nelly, Nelly, Lisbeth, Matt Password, la frère Gaël, Blandine, j'ai vu Linda connectée, j'ai vu Dominique Nelly, j'ai vu Justine Galbani, j'ai vu Coco. Coco, Coco, j'ai vu ma Coco, j'ai vu ma Tata Coco, j'ai vu Mad Password, tout ce monde et ceux aussi qui viendront après, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Une heure de direct, une heure accrochée à moi, ce n'est pas vraiment donné tous les jours. Que Dieu soit loué pour tout ça. Rendez-vous, partagez si vous le pouvez. Je n'ai jamais forcé quelqu'un de partager ou de ne pas partager. C'est votre direct. Voilà, mais ce qui est bien, il faut partager. On ne doit pas faire la rétention de l'information vraie. Il faut partager pour que, au bout du monde, il y a quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Brigitte Vanier, que Dieu vous bénisse. Voilà, je m'en vais maintenant continuer le travail. Je suis tout dans le travail jusqu'à peut-être 1 h du matin. Merci pour tout. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos prières. C'était Papa Manou, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et anglophiles. Bye bye.